Le canal principal du fleuve Han constitue la frontière entre l'île de Lille et Kaesong en Corée du Nord. Habité depuis l'âge préhistorique, Gangwa-do regorge de sites et de monuments historiques, parmi eux le dolmen, déclaré patrimoine culturel mondial et le plus représentatif. Oh ben bravo, Mickaël Culture. Ce monument mégalithique composé de pierres brutes constituait la tombe de la classe dirigeante de Gangwa durant l'âge de bronze. C'est juste que j'adore Astérix et Obélix. En tout, 80 dolmens se dressent à Gangwa. On y trouve également les traces de Do Dangun, le fondateur du premier État coréen. Voilà, et l'hôtel Chamsong, au sommet de la montagne qui surplombe l'île, offre une vue sur la mer de l'ouest, la mer à l'ouest et les terres intérieures. Et c'est dans cet endroit que Dangun, si je ne me trompe pas, a célébré le culte de son ancêtre, le ciel. Du fait de sa position stratégique à l'embouchure du fleuve Han, l'île de Gangwa a souvent joué un rôle clé au cours des événements historiques. Au 9e siècle, le ciel a unifié et établi une garnison pour combattre les pirates. Exactement. Et au 13e siècle, la cour de Goryeo se réfugie sur l'île de Gangwa au moment de l'invasion des forces mongoles. C'était exactement en 1232. Et pendant l'invasion manchue de 1636, la cour des Joseon chercha à suivre l'exemple de Goryeo, mais les réfugiés royaux furent capturés par les envahisseurs. Alors maintenant, si on saute dans le temps, beaucoup plus près de notre époque, au 19e siècle.